Le but de cette étude, comment prier pour les malades, est que vous-même soyez mieux équipés pour exercer ce ministère. Dieu poursuit le but de nous transformer à l'image de Jésus-Christ. Ce dernier a passé beaucoup de temps, investi beaucoup d'énergie envers les souffrants et les malades. Il nous a donné cette promesse extraordinaire, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes. Nous avons vu que dans ce ministère, il était très important de chercher la pensée de Dieu, parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. C'est sur son initiative que nous devons parler et agir. Nous avons également vu qu'il est important de comprendre la foi que Dieu attend du malade et la foi que Dieu attend de nous, qui sommes ses représentants, pour exercer sa compassion. Nous avons vu également qu'il y a des guérisons instantanées. Et des guérisons progressives. Je vous avais parlé de Salomon Adzi qui s'est retrouvé tétraplégique, ne pouvant absolument plus bouger ni bras ni jambes, sans aucun espoir médical et qui a été presque entièrement restauré. Aujourd'hui, il peut marcher, il peut utiliser ses bras. Dieu a fait un miracle de manière progressive sur plusieurs mois. J'aimerais aussi vous parler d'une certaine jeune fille, Marguerite, qui était une chorégraphe euh, connue et douée et qui avec sa chorale, euh, a eu un accident et elle a fait plusieurs mois d'hôpital et son genou est resté bloqué. Il n'y avait pas beaucoup d'espoir pour elle d'amélioration. Bien sûr elle a pu continuer de vivre à peu près normalement mais sur le plan chorégraphique, elle a dû totalement abandonner ce travail là, ce don là. Nous nous sommes retrouvés plusieurs mois. Plus tard, dans une soirée où la prière pour les malades était offerte, et elle s'est retrouvée parmi beaucoup d'autres. Nous lui avons simplement imposé les mains et avons fait une prière très brève et très simple à Dieu. Puis nous avons demandé à Marguerite comment elle se sentait. Elle a alors balancé sa jambe et elle a dit ⁇ Je suis parfaitement guérie ⁇ nous lui avons dit de revenir 24 heures plus tard pour vivre une journée normale et nous de redonner des nouvelles. Elle est revenue le lendemain soir en disant Eh bien, mon genou est parfaitement restauré. Il a été instantanément euh, miraculé durant la prière hier soir. Je l'ai revue six mois plus tard dans un autre pays alors qu'elle suivait une formation dans une école de disciples de Jeunesse en Mission. Et non seulement elle m'a confirmé là que sa guérison était totale et définitive, mais elle avait repris ce magnifique ministère de chorégraphe. Aujourd'hui, c'est une missionnaire que Dieu emploie dans plusieurs pays et même sur plusieurs continents. Et elle est toujours là comme témoin de ce que Dieu a fait instantanément. Dieu m'a donné une autre leçon euh, dans un autre pays encore, alors que la soirée s'avançait, que beaucoup de malades attendaient euh, le moment où nous aurions pu prier. Spécifiquement pour eux. Un responsable euh, chrétien sur le plan national était à mes côtés et nous avons prié ensemble. Pendant une heure et demie environ, nous avons prié cas par cas pour toutes sortes de personnes qui ne pouvaient plus bouger, euh, des membres qui souffraient d'insomnie et qui avaient toutes sortes d'autres problèmes. Et régulièrement, nous leur posions la question Comment vous sentez-vous Est-ce que vous pouvez faire quelque chose que vous ne pouviez pas faire avant la prière Et la réponse était sans cesse négative la personne qui souffrait la personne qui avait mal à la tête la personne qui ne pouvait pas bouger un membre disait tout simplement et en toute honnêteté non je ne peux rien faire oui j'ai toujours mal non rien n'a changé et il était plus de minuit quand nous sommes euh, allés nous coucher euh, un peu découragés en se disant mais que se passe-t-il ce soir est-ce que dieu était réellement présent est-ce que nous avons euh, bien discerné ce que dieu attendait de nous et le lendemain soir, alors que nous étions en train d'installer la sonorisation pour euh, prolonger les rencontres qui avaient lieu sur une semaine, une dame nous a interrompus. Elle nous a dit Vous savez, hier soir, vous avez prié pour mon bras, et aujourd'hui, pour la première fois de ma vie, j'ai pu puiser de l'eau dans le puits. Nous étions très heureux de ce témoignage et nous avons continué notre euh, travail euh, technique, mais une seconde dame est venue nous interrompre en nous disant Eh bien, euh, aujourd'hui, pour la première fois, je n'ai pas eu besoin des quatre médicaments que je dois prendre chaque jour. Bien sûr, nous n'avions rien dit contre les médicaments, nous ne sommes pas médecins, nous verrons plus tard combien c'est important de rester dans son mandat, mais tout simplement, elle n'avait plus eu besoin. Et puis, une troisième personne est venue quelques minutes plus tard pour nous dire, eh bien, vous avez prié pour moi hier soir et j'ai dormi comme jamais je n'ai pu dormir depuis plusieurs mois. Et finalement, une quatrième personne est venue pour nous dire, eh bien, vous avez prié pour moi hier soir et pour la première fois aujourd'hui, j'ai pu porter des bassines d'eau sur la tête. Ces quatre témoignages, c'était à Bamako, capitale du Mali, et tout en ayant fait beaucoup d'expériences, en ayant visité beaucoup de pays, en ayant animé beaucoup de soirées, en ayant prié pour beaucoup de gens, c'était la première fois que spontanément, sans qu'on ne demande rien, quatre personnes viennent nous interrompre pour dire ce genre de choses. Et j'ai senti qu'intérieurement, Dieu me donnait une leçon. Lorsque tu pries pour quelqu'un que je guérisse instantanément ou que je guérisse progressivement, il faut que tu restes dans une attitude confiante de foi. Il y a des guérisons instantanées. Il y a des guérisons progressives, il y a aussi des guérisons parfois sur plusieurs mois et sur plusieurs années. Et lorsque nous le réalisons, nous acquérons une toute nouvelle liberté. Nous n'avons pas besoin de jouer un rôle, nous n'avons pas besoin de faire une prière euh, renflante ou extraordinaire, en se sentant humilié s'il n'y a pas une réponse immédiate. Mais nous pouvons accompagner de manière naturelle, avec compassion, avec liberté, avec naturel, les personnes envers lesquelles nous exerçons un ministère. Le point suivant pour nous aider à prier pour les malades, c'est de comprendre que Dieu confirme ce qu'on annonce. Acceptons-nous d'être connus comme priants pour les malades. Peut-être comme chez moi, votre boîte aux lettres est souvent remplie de publicités, d'astrologues, de guérisseurs. Et même aujourd'hui, certains hôpitaux utilisent des techniques plus occultes parfois que scientifiques. Et on peut se poser la question où sont les disciples de Jésus de Nazareth. Parfois, certains chrétiens disent « Je parlerai de guérison quand Dieu m'emploiera dans ce domaine. » Et Dieu leur répond « Eh bien, je t'emploierai dans ce domaine quand tu accepteras de déclarer ta disponibilité. » Est-ce si difficile quand un collègue de travail passe par une difficulté, par une épreuve, par une souffrance, de lui dire « Eh bien, je fais partie d'un groupe de prière Accepterais-tu que nous prions pour cela Évidemment, nous pouvons prier pour le malade quand il est présent, mais nous pouvons aussi prier évidemment quand il est absent. Une autre chose qu'il nous faut considérer, c'est que sur cette terre, nous n'avons pas encore reçu un corps éternel ni parfait. Il m'arrive parfois, lorsque j'enseigne, de poser la question à l'auditoire, qui d'entre vous a reçu un corps nouveau lorsqu'il s'est donné à Christ et plusieurs mains se lèvent. Eh bien, ces personnes qui élèvent leurs mains à ce moment-là se trompent. Lorsque nous nous donnons à Christ, nous recevons un esprit nouveau et notre personnalité, notre âme, nos émotions sont restaurées par la puissance de Dieu. C'est Dieu qui restaure notre âme et notre personnalité. Mais nous continuons à marcher dans des vases de terre, dans des corps qui vieillissent et qui peuvent tomber malades. Et si nous confondons la marche par l'esprit, avec euh, le corps que nous avons actuellement, avec le corps que nous recevrons pour l'éternité, eh nous allons nous exposer à toutes sortes de dangers et nous aurons toutes sortes de réactions qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Et pour cela, j'aimerais vous donner quelques exemples. On voit l'histoire de Jacob, par exemple, qui est très malade, sur le, plein, sur le point de mourir, et il est rempli de l'Esprit de Dieu. Il va convoquer tous ses fils et il va prophétiser sur chacun d'eux. Et puis il va mettre ses pieds dans son lit et il va mourir. Nous lisons ce récit à la fin de, du livre de la Genèse. Nous voyons par exemple Élisée, un prophète qui a vécu des miracles extraordinaires. Eh bien, il est dit qu'il est mort malade. Et pourtant, Dieu a profondément honoré ce prophète, même par la suite, puisque lorsque, lors d'une attaque euh, d'Israël par une armée étrangère, eh bien, un soldat décédé est jeté précipitamment euh, de côté et son corps va toucher les eaux d'Élysée et ce soldat va ressusciter. On aurait pu être roi en Israël, un roi fidèle comme Ézéchias, nous lisons son histoire dans Deux rois au chapitre 20 et pourtant, il a été très malade. Le Psaume 41 verset 4 nous dit que lorsque nous avons compassion des autres, eh bien, nous sommes nous-mêmes soulagés sur notre lit de maladie. Et puis le Psaume 103, un psaume que beaucoup connaissent par cœur, nous dit le Seigneur nous guérit de toutes nos maladies. Il n'est pas écrit que le Seigneur nous empêche de tomber malade, mais qu'il nous guérit de toutes nos maladies. On aurait pu être l'ami personnel de Jésus tomber très gravement malade, envoyer quelqu'un pour dire au Seigneur, viens vite, parce que je risque de mourir, et malgré cela mourir. C'est l'histoire de Lazare, bien sûr. Nous savons que Jésus l'a ressuscité, mais lui était très gravement malade et il est mort, sans savoir la suite de l'histoire de prime abord. On aurait pu être de la parenté d'un apôtre, comme Pierre, par exemple, et tomber malade. Ce fut le cas de sa belle-mère, que Jésus a guéri. On aurait pu être dans l'équipe missionnaire de choc de l'apôtre Paul et pourtant tomber malade et passer tout près de la mort. Ce fut le cas d'Épaphrodite et de Trophime. Et puis, dans l'église primitive que nous admirons beaucoup, dans l'église de Jérusalem, eh bien euh, l'apôtre Jacques va écrire Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens et que les anciens éloignent d'huile. Et la prière fervente, euh, du juste à une grande efficacité. Nous voyons donc que dans cette communauté, il n'était pas interdit de tomber malade. Ce n'était pas considéré comme une incrédulité ou un péché particulier, mais comme quelque chose qui peut arriver à n'importe qui, à un prophète, à un apôtre. Euh, L'apôtre Paul a écrit dans le livre des Romains, chapitre 8, verset 23, Et même nous qui sommes chrétiens, bien que nous ayons le Saint-Esprit comme un avant-goût de la gloire future, nous gémissons en attendant d'être délivrés de la souffrance et du mal. Nous aussi, nous attendons avec impatience le jour où nous recevrons la plénitude de nos droits d'enfants de Dieu, ainsi que les corps nouveaux qu'il nous a promis, des corps qui ne seront jamais malades et qui ne mourront jamais. Notre corps actuel est imparfait, il vieillit. Nous ne pouvons pas le confondre avec le corps éternel et parfait que nous recevrons à la résurrection. Voici ce que le Nouveau Testament nous dit à ce sujet. Le corps est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, plein de faiblesse, il ressuscite plein de force. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Oui, notre corps actuel est imparfait. Il vieillit et il mourra un jour, à moins qu'il ne soit transformé lors du retour du Seigneur. Marcher par l'esprit est une bénédiction formidable pour notre corps. Et Dieu fait des merveilles. Il en est le créateur, il est aussi le réparateur. Il peut toute chose. Mais si nous nions notre nature terrestre, nous affronterons de terribles déceptions, parfois des divisions et parfois des jugements. J'ai connu beaucoup de communautés et peut-être vous aussi qui ont fait face à des situations terribles, des enfants en bas âge qui ont attrapé la leucémie, des hommes, des femmes dans la force de l'âge qui sont atteints par le sida et autres maladies graves. Bien sûr, Dieu peut tout. Et il le fait, et il l'a fait. Les témoignages sont nombreux. Mais ce qu'il peut se produire aussi dans une communauté qui redécouvre la prière pour les malades, c'est qu'une prière fervente s'élève de toute la communauté pour un enfant, par exemple, qui risque de mourir de la leucémie. Une partie de la communauté commence à prophétiser la guérison, et l'autre partie, tout aussi fervente, tout aussi consacrée, dit Bien, nous verrons, nous ne savons pas. Et il arrive que l'enfant meure. Alors la communauté se divise et les jugements commencent à être exprimés. Une partie de l'auditoire dit, vous avez prophétisé la guérison et l'enfant est mort, vous êtes des faux prophètes. Et l'autre partie se retourne en disant, vous êtes des incrédules, c'est parce que vous avez douté. Dieu n'a pas pu répondre, c'est pour ça que l'enfant est mort. Et il y a si des groupes, des groupes de maisons, des groupes de prières ou des communautés tout entières qui se divisent, qui se séparent, essentiellement pour une mauvaise compréhension de cette question de marche par l'esprit, le corps actuel mortel qui vieillit et qui meurt et le corps éternel que Dieu a préparé en réserve pour tous ceux qui ont mis leur confiance en lui. Jésus en parlant à ses disciples avait dit à propos de Jean, son disciple Jean, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, il s'adressait en particulier à Pierre. Et sur cette phrase a couru le bruit parmi les croyants que Jean ne mourrait jamais. Il aurait pu utiliser cette situation pour se faire une auréole ou pour avoir un peu d'orgueil spirituel, mais pas du tout. Au contraire, dans sa lettre, il corrige les choses. Et l'histoire nous apprend que même si Jean est devenu particulièrement euh, vieux, eh bien, il est mort. Dans l'église primitive, dans l'église de Jérusalem, qui marchait, par l'esprit, qui était au bénéfice de ministères extraordinaires, eh bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, quelqu'un était, était malade, il pouvait appeler les anciens. est ce que nous pouvons dire, même si cette église était composée assez rapidement de 5 000 familles, peut-être 10, 15, 20 000 membres, eh bien, il y a aussi eu 20 000 enterrements. Et ceci n'était pas considéré comme anormal, mais comme faisant partie de la vie actuelle. Certaines personnes ne veulent pas affronter cette question de face et ils disent Le Seigneur reviendra avant ma mort. Cela peut arriver, nous ne le savons pas, nul ne le sait, ni le jour, ni l'heure, mais c'est parfois une doctrine qui veut en cacher une autre pour éviter d'affronter en face la question de la mort. Il y a même des chrétiens qui pensent que de présider un ensevelissement est un manque de foi. Ils se disent Mais si Jésus était là, nous n'assisterions pas à un ensevelissement, mais à une résurrection. Mais Dieu lui-même a enterré quelqu'un. Dieu a enterré son serviteur, Moïse. Est-ce que cela veut dire que Dieu ne guérit que les petits bobos, que les maladies superficielles, et qu'il ne guérit pas les maladies les plus graves Pas du tout. Cela veut dire que même dans les miracles les plus glorieux au sujet de notre corps, même dans les résurrections, eh bien, nous ne recevons pas encore notre corps parfait et éternel. Même ceux que Jésus a ressuscités ou que les apôtres ont ressuscités sont passés par la mort et seront ressuscités au dernier jour. Je me souviens d'un orateur qui nous a enseigné dans l'école d'évangélisation que j'avais suivie à Lausanne il y a bien des années. Eh bien, euh, cet homme s'est trouvé face en angleterre je crois à une femme qui lui a présenté son bébé un bébé terriblement atteint puisqu'il avait la tête euh, pleine d'eau il avait la colonne vertébrale tordue et il n'avait que quatre monions euh, à la place des bras et des jambes et l'homme de Dieu, qui par humilité ne nous a pas dit que c'était par lui que Dieu avait fait cela, mais non, nous l'avons appris de manière certaine et de source sûre, et bien cet homme de Dieu, au nom de Jésus, a imposé les mains à la tête, sur la tête de ce bébé qui est redevenu normal sur le champ, et puis il a passé sa main le long de la colonne vertébrale qui s'est redressée. Et il a tiré à partir de chaque moignon et le bras, l'avant-bras, le poignet, la main se sont formés instantanément, ainsi que tout les membres, et il a pu rendre le bébé en parfaite santé à la maman. Pour ma part, c'est le miracle physique le plus grand dont je n'ai jamais entendu parler jusqu'à ce jour, et je sais qu'il est authentique. Dieu peut donc agir sans aucune limite, rien ne lui est impossible. Mais il arrive, parce que nous sommes sur cette terre, et nous le verrons dans quelques instants en parlant des accidents, il arrive que des enfants meurent, il arrive que des personnes très âgées guérissent, il en arrive à d'autres qu'elles guérissent progressivement, il arrive aussi que Dieu ne guérisse pas et nous n'avons pas toutes les réponses, mais nous pourrons exercer un ministère plus serein si nous acceptons que nous pouvons tomber malades et nous pouvons mourir tant que nous sommes sur cette planète. Il nous faut encore passer quelques instants en abordant la question des accidents. Le livre de Job nous parle de la foudre et des ouragans qui peuvent tuer. La femme de Lot a été transformée en statue de sel. Absalom, le fils de David, est resté suspendu aux branches d'un arbre. Quarante-deux enfants ont été mis en pièces par deux ours. Les prophètes ont perdu un outil de travail. Et même l'arche de l'alliance, tirée par des bœufs, a failli tomber. Nous voyons par là la lucidité de l'Écriture face aux dangers physiques. Ils sont bien réels et ils nous entourent. De nombreuses précautions sont dictées au peuple d'Israël dans beaucoup de domaines. Elle nous parle des homicides involontaires, des taureaux susceptibles de tuer à coups de corne, des citernes qu'il est nécessaire de recouvrir, des effets de l'alcool en rapport aux décisions importantes et à l'enseignement. Elle parle aussi, l'écriture parle aussi, des risques d'incendie. Elle nous dit même l'importance des balustrades à installer autour des terrasses. Elle nous parle également de l'hygiène collective nécessaire. La connaissance du danger, la prudence, les précautions, les systèmes de protection, la sobriété, la prévoyance, l'hygiène, la bonne gestion de nos corps font naturellement partie de la vie en Christ et de la marche par l'esprit. Le chrétien qui vit aujourd'hui dans son corps terrestre comme s'il avait un corps céleste s'expose à bien des dangers. Quand le diable proposa à Jésus de sauter du haut du temple, sous couvert d'un passage biblique parlant de protection et interprété à sa manière, Jésus répondit :« Il est écrit :« Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Paul, en voyage, nous dit qu'il a été plusieurs fois en danger de mort. Il a fait trois fois naufrage. Il a été en danger en traversant des rivières en crue, dans les déserts et attaqué par la faim et le froid. Il s'est également fait mordre par un serpent. Si je regarde aujourd'hui, nous avons un responsable aux Philippines dans notre mission qui s'est fait attaquer lors d'une baignade par un requin et qui en est mort. Nous avons des gens très courageux qui sont allés servir dans des zones de guerre. Le Seigneur a fait des miracles extraordinaires pour les protéger. Mais certains aussi, malheureusement, y ont laissé la vie. Je pense également à notre responsable au Cameroun, il y a quelques années, qui était marié, trois enfants, sa femme était enceinte, et il est tombé malade, et il est mort. L'équipe qui l'entourait a prié toute la nuit pour sa résurrection, mais le Seigneur leur a dit, non, je l'ai repris définitivement. Et ils ont accepté. Je pense qu'ils ont bien fait de prier. Je pense que je me serais aussi joint à eux. Mais lorsque Dieu leur a révélé son plan, bien que nous n'ayons pas de compréhension et pas de réponse, eh bien, ils l'ont accepté. Nous avons dû l'accepter. Pourquoi Je ne sais pas. Son épouse est rentrée en Europe et elle a mis au monde ce quatrième enfant qui n'a jamais connu son papa. Nous sommes des gérants responsables sur cette terre. Nous n'avons pas... Toutes les réponses. Dieu nous protège réellement, mais nous devons être tout aussi réellement prudents. Celui qui dit Dieu me protège, il ne peut jamais rien m'arriver, ou celui qui dit Dieu ne fait rien, on doit se débrouiller tout seul, je pense que ces deux personnes ont tort. Je crois que faire le possible, être les gérants responsables, en observant tout ce que la Bible nous dit, tout ce que l'Esprit de Dieu nous confirme, dans toute la parole, se comporter en ayant euh, cette dimension à la fois spirituelle, cette dimension de foi et d'écoute, tout en sachant que nous sommes dans un monde imparfait, avec un corps imparfait qui vieillit, que nous devons être prudents, que nous risquons, comme tous les autres, les épidémies ou les accidents, est une attitude bonne et responsable. Dans une prochaine émission, nous verrons comment. Commencer Comment s'impliquer concrètement dans ce ministère de compassion Je vous rappelle que jusqu'à maintenant, nous avons vu la base biblique de suivre Jésus-Christ dans cette compassion, de faire ce que le Père nous montre de faire, de dire ce qu'il nous dit de dire, de comprendre la foi que Dieu attend des malades et la foi qu'il attend de nous-mêmes, de comprendre qu'il y a une différence entre des guérisons instantanées et des guérisons progressives, de comprendre également que Dieu confirme ce qu'on annonce et qu'il nous faut accepter d'être connus comme priant pour les malades. Et finalement, bien que marchant par l'Esprit, bien que croyant que toutes choses sont possibles à Dieu, nous ne confondons pas la marche par l'esprit avec le paradis. Nous ne confondons pas notre vie d'aujourd'hui avec notre vie éternelle.